Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Evoland 2. Nous sommes donc arrivés dans l'anomalie et nous sommes prêts à avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet endroit est vraiment étrange, Red. La réalité y est altérée. Comme si l'espace-temps avait été compressé en un lieu unique. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a des dalles, de l'herbe et du sable de partout. Il y a même des cailloux et des chemins. Bizarre. Je me demande ce que ça peut bien être, cette plaque. Mince. Oh! Tu as vu? Ce machin s'est activé. Une plaque de pression? Ne marche pas dessus, c'est peut-être dangereux. Qu'est-ce que je dois faire? Là, il y a un truc, là. Et je dois faire quoi? Ne marche pas dessus, c'est peut-être dangereux. Ah, ok, d'accord. Là, il y a un truc. Vite, dépêche-toi. D'accord. Il y en a un autre? Faut aller où? Où? Ok, ici. Ah, tiens, c'est bizarre. Appel activé, il s'éteint. Bah... On n'est pas dans la même temporalité, je crois. Ah, on rembobine et on a un espèce de doppelganger qui se crée. Oh, c'est sympa comme concept, j'aime bien. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? J'ai fait quelque chose, Red? Non. Oui, bien entendu, tu as juste marché sur son machin, il s'est éteint. Si c'était une énigme, elle est un peu simpliste. Je suis déçu par les mystères de cette anomalie, pour le coup. Oh là là, si tu savais quelle aventure je vivais, tu serais étonné. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Intéressant comme concept, ça, tiens. Ok. Mais tu veux que je fasse quoi, là? Faut que j'aille là-dessus, hein. Non. Ouais, ça passe en vrai. Bon, là, c'est pas compliqué. Ah, quoi? Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop difficile jusque-là. Hein? Il y a un truc là. Wow! Bon, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute, hein. Alors ça, si je veux le toucher. Ok, bon, ça va, c'est pas très compliqué. Hop. Ah mais... Ah non. Ok. Et ça, je dois l'utiliser. Je dois aller où exactement? Ah ok, je vois. Je vois le coffre. Faut que j'aille... Ici... Faut qu'on passe par en haut. Ça passe trop. En face peut-être. Attends. Là je vois, il y a des plateformes sur le côté, là je les vois. Voilà, faut qu'on aille là-dessus, je pense. Parce que là on a ça. Ah oui, mais c'est pas con. Attends, je vais là. Et voilà. C'est très simple hein, comme énigme, je suis vraiment déçu. Non, en vrai je dis ça mais c'est pas mal. Wow. Ah. Oh bon, d'accord. C'est tout? D'accord. Récupère les sous, je sais pas pourquoi, mais bon, on les récupère quand même. Oh non! Pas un puzzle!
Mais c'est impossible. Ouh, je suis parti au bon moment, je crois. Ok, je vois le délire. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est perché comme truc. Oh, j'ai oublié de remettre le chrono à zéro, excusez-moi. Donc là, on est à 5 minutes, c'est ça? Connais-tu la signification du symbole de l'œil chez les magies, Red? Non. Les magies ont toujours cherché la connaissance. Ils voulaient tout savoir sur le monde, tout voir. Cet œil représente leur soif de... leur soif, non. Leur quête de savoir, on peut dire que c'est ça. C'est l'œil qui cherche, l'œil qui sait. Pendant longtemps, j'ai cru, comme eux, que tout pouvait être découvert. Mais il y a des choses au-delà de notre compréhension. C'est en l'acceptant que l'on devient plus sage. Tant mieux. On en reste là à notre jeu et puis on est très bien. Oh, il y a du feu là-bas. Attends, avant d'aller là. Ok, on va éviter. Bon, on peut rien faire avec ça. Peut-être qu'en activant là-dessus, on peut passer à travers les espèces de tombes là. Vas-y, on teste. Non. Oh putain. Quoi? Attends. Qu'est-ce que... on va passer celui-là. Oh oui. Non. Vite. Mais quoi? What the fuck? Hein? Quoi? Bon, j'ai rien compris. Bon, on s'est littéralement suicidé 4 fois. 3. Hein. Ça va, Red? Tu as l'air un peu pâle. Non, tout va bien, t'inquiète. C'est pas comme si j'étais mort 4 fois. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qui se passe ici. C'est comme si j'oubliais certaines choses. Tu te débrouilles bien, c'est comme si tu connaissais les lieux. Je l'ai remarqué dès notre première rencontre, Red. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. Ah bon? Je me trouve juste roux, c'est tout. Et du coup, je dois aller là-bas? Ah bah oui, d'accord. Et à quoi ils servent les coffres? C'est juste à ça, il n'y a pas de récompense dedans? Bon bah j'imagine que c'est des directions. Allez, allons là. Qu'est-ce que... Il y a un boss là. Oh, une toupie. Ouais. Du fight. Non, mais laisse-moi ramasser l'XP! Quoi? Oh là! Oh là là, ils se démultiplient là! Ah, ils ont fait multiclonage! Non! Allez-vous-en! Là, il y a encore un truc. Bah. Oula, je ne m'approche pas, moi. Encore? Bon, bah, je suppose que. Voilà, jamais 203, comme on dit, hein. Oula! Ah oui, d'accord, ils ont fait 2 fois. Ça va, tranquille! Ça marche très mal, les pouvoirs. Ouais, en fait, je dis ça, mais ils font pas de dégâts.
Pouvez-vous me laisser ramasser les items, s'il vous plaît? Tu as vu ça, Red? Ils se sont dupliqués avec ce truc. Heureusement qu'il ne t'arrive pas la même chose quand tu marches dessus. Après tout, il n'y a qu'un seul et unique Red. Tu es sûr? D'accord, on vous nous mettait un ascenseur en forme de radeau. Regarde! On dirait bien qu'il va falloir que tu marches dans le vide. Quoi? À ta place, j'éviterais de tomber. J'ai comme l'impression qu'une chute ici risquerait de ne jamais s'arrêter. Je me demande ce que ça fait de vivre éternellement. Pas du bien, je pense. J'imagine qu'on doit finir par s'ennuyer, exactement. Surtout vers la fin. Quelle fin? Ah ouais, d'accord. Un labyrinthe, super. Manquait plus que ça. Oh. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Je sais même pas où je vais. Mais je sais même pas ce que je fais, je sais même pas où je vais. Oh, il y a un coffre là-bas. Là aussi, là il y a un coffre. Comment on fait pour y aller? Ah. Bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est de la 2D, ça. Marrant, ça. Ok, je vois le délire. Faut qu'on prenne... Ah, merde, j'ai pas eu le temps. Genre Menos. Mince. Merde. Ok, j'ai mal joué. On va refaire. D'accord. Ouais, c'était compliqué ça pour le coup. C'est de plus en plus étrange. Maintenant j'entends des bruits comme un écho de pot cassé. Alors qu'il n'y a aucun pot ici. Un mystère de plus à résoudre. Dommage que toi tu saches pas. Ce niveau est trop facile. Il suffit de marcher sur ces trucs pour que ça ouvre le passage. Suivant, enfin. C'est pas moi qui vais me plaindre pour une fois qu'on n'est pas trop pressé. Oh, il y a un truc là. Oh, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et je fais comment maintenant? Je vais marcher là-dessus? Ah, c'est pas con. Loupé, je me suis loupé. Faut réessayer. Mais putain! On va y arriver, on va y arriver. Mais... Mais oh là là, c'est compliqué. Ah, d'accord. Je croyais que c'était celui d'en bas, mais bon. J'ai pas fait gaffe. Ici. Ils aiment bien mettre les trucs loin en face, hein. Bon, ça va, c'est simple. Et maintenant?
Pas par ici. Est-ce que par hasard je devrais pas essayer de faire? Je suis pas sûr. Y a pas un escalier ou quelque chose? Facile. On a le quatrième pilier, on va pouvoir prendre le TP. Et aller dans un endroit inconnu. Y'a un boss ici ou pas? On a toujours eu des boss jusqu'à présent. J'avoue qu'à Démonia, on n'a pas eu la musique. J'espère que c'est la dernière étape. En même temps, je commence un peu à avoir peur de ce qui va se passer ensuite. Et toi, Red, as-tu peur? Ouais, beaucoup. Désolé, je n'aurais pas dû te demander ça. Mais tu es bien plus fort que moi. J'aimerais avoir ton courage. Ah, vous savez, hein, je suis un bonhomme, moi. Un homme se doit de ne jamais avoir peur. Et de ne jamais abandonner. C'est les animes qui me l'ont dit. Oh. Oh shit! Non! Aïe! Cassez-vous! Aïe! Aïe! Ils vont où? Ils vont où? Qu'est-ce qui se passe là? Revenez! Bande de je lag! Heureusement que le machin était à côté. Hein. Allez-vous-en! Non, touche pas à ça! Dégage toi! Mais casse-toi! Ouais, j'en ai eu un! Deux! Ah putain, les dégâts! Je vois rien. C'est pas grave. Mince, j'ai pas regardé s'il y avait un secret. Bon bah c'est pas grave, tant pis. Donc on avait vu qu'il y avait un coffre ici. Oh, je l'ai trouvé je crois. Qu'est-ce qu'on a ici? Dread. Hein? Qu'est-ce que cette carte? Oh. Ah ouais, pas mal. Des Game of Cards. On a ça. Et il y a quoi là-dedans? On dirait qu'on arrive à la fin. Yes! Enfin, nous l'avons trouvé. Je me demande comment nous allions se faire pour sortir d'ici. Tu en es très bien sorti jusqu'ici. Tu vas trouver une solution, Red. Bah oui, ça. Par contre, j'ai plus de vie. Mais qu'est-ce que cette machine fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette machine étrange? Cette étrange machine. Il s'agit d'une machine volante. J'en garde un très mauvais souvenir. Et dire que je m'étais juré de ne jamais remonter dans un engin de ce genre. C'est génial! Vous pensez qu'elle a été fabriquée par l'inventeur Sid? Et Red sait la piloter? Si on peut appeler ça piloter. En tout cas, nous avons notre moyen de sortir d'ici. Et grâce à cette machine, nous allons pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Allons-y alors. Yes, c'est parti pour un shoot'em up. Ah non. Le bouton d'attaque pour décoller ou atterrir depuis là. Oh, mais c'est trop bien! Ah ouais! Trop bien! Ah, la musique! Oh, trop stylé! On peut aller là-dessus? Non, d'accord, ok, c'est bloqué, on peut pas y aller. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans le noir de la map? Y'a rien du tout. Ah! Ah! Ancien volcan! Ouh! Mais dis donc,
Ce serait l'île des pirates? Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Non, je plaisante. Quoi? Tourner, tourner, tourner et encore tourner. Pour l'éternité. Grande destruction imminente. Fin du temps, courbe de correction. Nous pensons des êtres doués de raison qui prennent des décisions de bon sens, rationnelles, mais la plupart de nos choix sont en fait basés sur nos émotions. La peur est une émotion particulièrement forte, et si facile à inciter. La grande destruction qui causera la fin des temps ne peut être prouvée scientifiquement. Ce n'est donc qu'une théorie héritée de l'âge sombre. Pourtant, c'est pour empêcher la fin du temps que le projet est en cours de construction. Cela pourrait bien causer notre perte à tous. Ah bon? Est-ce que ici on pourrait savoir comment ils sont morts? J'ai eu une idée particulièrement troublante. Et si le projet avait déjà été activé? Je n'arrive plus à dormir depuis. Ah bon? J'ai trouvé un vieux parchemin qui indique qu'un prophète parlait déjà de la grande destruction pendant l'âge sombre. Mais aucune mention de la fin du temps. Ce concept est peut-être apparu plus tard. Nous manquons de documents pour procéder à des recherches historiques sérieuses. Et de toute façon, la plupart des gens n'ont pas vraiment envie de connaître la vérité. Comme on dit, c'est mieux l'ignorance. Hein. Des fois. En tout cas, ça a l'air d'être des gens qui sont contre le fameux projet là. Pourquoi il y a un pont ici? Si on peut pas, mais on peut pas. À quoi ça sert alors? Saviez-vous qu'il y a longtemps, un volcan est entré en éruption ici? On a retrouvé sous l'eau des ruines datant de l'âge sombre. Oh, des ruines de l'âge sombre. Il y avait un port, des maisons en pierre, des entrepôts. Peut-être des marchands. Bonjour. Mais, vous êtes... Vous ne vous souvenez pas? Nous nous sommes rencontrés au centre de recherche moléculaire. J'étais moi aussi candidat pour maintenir le cycle, mais j'ai échoué au test préliminaire. Si vous êtes ici, vous aussi, vous... Alors j'imagine... Bienvenue dans la résistance au projet. Oh. La résistance au projet? Eh, ils sont contre. C'est bien ce que je pensais. Mais du coup, nous, on n'a pas été créés alors. Donc du coup, nous sommes juste un habitant magie comme les autres. Je croyais qu'on avait été créés. La vie ne vaut la peine d'être vécue que si l'on est maître dans son destin. Sinon, elle n'est qu'une illusion de liberté, un film que l'on se passe. C'est le message que nous allons diffuser pour alerter des dangers du projet. La plupart d'entre nous ont fui le centre de recherche moléculaire. Ce projet est un danger encore plus grand que la fin des temps. S'il aboutit, quel sens aura la vie? C'est la disparition assurée pour notre civilisation. Ah bon? Et au final, ils avaient raison, puisque du coup, les magies sont tous morts. Intéressant. J'avoue que j'ai pas trop de théorie là-dessus. Peut-être qu'on a d'autres informations, si je fais le tour. Pour l'instant... Bah, forcément, la forêt des Sylves. Bon, y a rien d'autre, on s'en va. Allez, quittons. On peut pas amérir? Non. Allez, on retournons à la maison. On est quasiment à la fin de l'épisode. On va pouvoir terminer sur l'assemblage de la clé. Extraordinaire. Tu as récupéré le fragment du temps. Jamais je n'aurais pensé qu'il se trouvait dans l'anomalie. Seul toi, Red, étais capable d'utiliser d'aller le chercher là-bas. Je suis heureuse de t'avoir choisi. Nous partageons un destin commun. C'est marrant, elle a des vêtements similaires à ceux de Velvet, hein.
La ceinture, ça je dis rien. Tu as rassemblé les 5 fragments de la clé magie. Retrouve-moi au plus vite. Nous devons l'activer pour effacer l'arme de la trame du temps. Eh bien allons-y. C'est bien ça. Et du coup on a la machine. On peut faire un shoot'em up là, non? Allez, on va terminer l'épisode sur ça. Oh, tu as une machine volante, ça te dit de relever un défi? Allons-y, bonne chance. Allez, on va terminer l'épisode sur ça. Un petit shoot'em up, le retour. Ça fait quoi le 3 ici? Ah. Wouah. Wouah. Et merde, j'ai pris des balles perdues. Wow. Ah. Merde. Pour 3 pauvres mobs, j'aurais pas dû. Y'a pas de boss? Parce que là les décors ont changé plusieurs fois hein, déjà. Oh mais non. Oh. 4 PV. Eh, c'est pas mal pour un début. Tiens, voilà pour toi. Saxu. Saxu. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mais je veux voir. Oh, c'est pas mal, un archer. Oh, nice. Et vous savez quoi? Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On fera du coup dans le prochain épisode l'autre. Le. Qu'est-ce qui attend? On fera le niveau expert dans le prochain épisode. Allez, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode. Sur ce, je vous dis à tous, bye tout le monde.